le 28 février 1968, en Inde du Sud, dans le Tamil Nadu, sur un plateau désertique, 124 nations sont représentées pour assister à l'inauguration d'Auroville, projet d'une cité internationale basée sur l'unité humaine. Le Tibet en fait partie. Les liens existants entre ce peuple et Auroville vont se développer et s'affermir au fil des années. Auroville is very, very important that His Holiness has come. He has brought with him the genius of Tibet, the secret of the Tibetan. En janvier 2009, le Dalai Lama, chef spirituel des Tibétains, se rend à Auroville pour la troisième fois. Ce film retrace l'histoire de la longue relation entre le prix Nobel de la paix et Auroville. Tibetan culture, generally, like culture of compassion, culture of non-violence. So that kind of culture is really humanity need. Any action, any approach or method motivated only self-centered, narrow-minded, you cannot see the reality fully.